السلام عليكم، مرحبا بكم في مخبزتي. اليوم اختاريت لكم خبز البلوط. كاع الناس تعرف البلوط، واليوم انا اختاريت نديره في الخبز. je l'incorpore dans le pain. البلوط c'est un fruit فاكهه جافه، ويستعملوها المرضى تاع السيلياك. مي اليوم انا ملي غادي نستعملها بالفرينه ماشي لو سي با بور لي مالاد سيلياك، باش ما تغلطوش. هذا الخبز ماشي لمرض بلا مالادي سيلياك. دونك خبز بالبلوط اي دي تارتلات على كروفيت اي بيشاميل. نبداو بسم الله، نبدا لكم باللي تارتلات. الوغ لو ريسيبيون توجور تاعي لا فارين، وي هنا نبداو. الوغ بور لا بات بريزي عندنا اون فا فير، نبداو 250 غرام دو فارين. راني غادي ندير لكم à peu près 8 barquettes. Vous allez voir, tabou معنا الخطوات. حط هنا le entari à 0. Nous avons la farine تاعي 250 grammes. Voilà. 250 grammes de farine. Aditani, c'est une recette très facile. 250 grammes de farine. Zit, hawali 80 grammes. Htel 100 grammes. Je tare à zéro. Du modèle au hab la margarine, si vous voulez. Moi, je préfère l'huile. Voilà. Anna, nos habba bed que je vais battre. Mais si habba, nos habba bed. Voilà, on chalote ça. On dit la moitié de haf le. Quand vous voulez faire 500 grammes de pâte, dites-le habba kamla. Voilà, la moitié de ça. Voilà. Alors, le mel, c'est 5 grammes pour 250 grammes. 5 grammes de sel. C'est une pâte salée. La tartère à zéro. Moi, je pèse toujours. Comme les émissions, l'ebda, il dit, nous vous nous. Les ingrédients, nous vous nous. Bach man galtoche. Ma djinesh man habzef, ma djish djaria bzef. Voilà. 5 grammes. Ça nous prend un peu de temps, mais le résultat, il compte toujours, toujours, toujours le résultat. Quand on pèse les pâtes ou les ingrédients, le résultat, on ne retouche pas. Voilà, avec la fourchette l'imha. Ensuite, on dit là, je suis aimé. Je vais l'imha haka. Donc, on dit l'idée. Voilà, l'imha mliah, ma n'ajdhahach, mais l'imha. Un peu d'eau, pas trop. Voilà. Voilà, sur le plan de travail, je vais essayer de bien la travailler. Ça, je suis amarré, peut-être un peu, pas trop. Voilà.
هادو تاني سي دي دونك لي بولونجي ماهمش يديروا غير الخبز الخبز اي مت ا كوتي يديروا يبيعوا ا كوتي دي بتيت تارتليت دي ساندويتش دي بيتزا هادو كاع اون فالي فوار ان شاء الله في لي بروشين ايميسيون كل خطره نجيبوا حاجه فوالا لا بات تاعي الي بريت Je vais la laisser reposer. Un bon, j'ai pris de la pâte Wajda. Nous allons comment la mettre. Allez, je vais la laisser reposer ici. Voilà la pâte terry. Rihat. J'ai pris maïa, je l'ai mis. Je l'ai travaillé, voilà. Aïe. Zid nakhdem hachouia. Alors, on dirait un peu de farine. Je vais mettre le sclèche. J'abaisse la pâte terry. Alors, la pâte toujours, malwost, l'antcom, on va malwost, l'extérieur. C'est bon. Alors, j'ai ramené, j'ai pris des moules, des petits moules. On regarde toujours dans les petits bouchers. C'est des petits bouchers, hado. On dirait des petits bouchers. C'est beau. Et ça prend pas beaucoup de produits. Voilà. Gata. Alors, 2, 4, 5, 7 et 8. 2, 4, 6, 8. Voilà, on dit Ménia. Je ne l'ai pas laissé. Mais Khalita, je te le posais, normal. On peut. Doucement. Maintenant, on va plus vers les petites choses, les mignonnettes, les petits canapés, les petits bouchers haka, les petits gâteaux. Il faut arrêter avec donc, les grosses pièces. Naklu wahda, iben naklina, quand on mange deux, iben klit zouj, mlkbar. Alors qu'en fin de compte, on a mangé une petite, la moitié ta wahda kbira. Donc, tout ce qui est diabète, cholestérol, et on se fait plaisir. Voilà. Voilà, je vais les piquer avec la fourchette. Voilà, bien les piquer sur les côtés un peu tannis. Alors, je ramasse ma pâte, je la laisse au frigo, m'bad, dire biha d'autres barquettes. Voilà. Alors, les barquettes terry, elles sont prêtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé déjà des barquettes. J'ai pris ma yara mouajdin. Voilà, là, maintenant. Hadou, je vais les mettre fesni. Alors la cuisson tahom comme les barquettes, 180 degrés, 170 degrés. Mini hamaro, vous les faites sortir le four. Alors, voilà les barquettes tawi taibin. J'enlève ça. Alors, j'ai ramené. Ah, il y a la crevette décortiquée, elle dit la crevette blanche, ghallitha filma. Mbad, vous enlevez la crevette, tigl'ouha resant, tigl'ouha biha bresant, tawaha, tigl'ouha. Hadak lma, vous le gardez. Hadak dzidou alayh chouya hlib,
et un peu de farine, vous faites une béchamel. Hlib, l'eau, l'étape de fiha, le mal, l'étape fiha, la crevette, plus 2 cuillères à soupe, ou là 2 cuillères et demie de farine, et vous laissez, vous allez avoir une béchamel haka. Sans beurre. On a la béchamel, sans beurre. L'eau, la crevette, 2 cuillères à soupe, ou là 2 cuillères et demie de farine, un peu de lait. Si vous mettez 200, 250 grammes d'eau, mettez 100 grammes ou 125 grammes de lait. Vous y doulez la farine et vous allez avoir une béchamel comme préparé tout à bedhen, mais sans beurre. Moi, je ne mets pas de beurre sur la béchamel. Alors, je vais farcir la crevette d'abord. Vous y doulez comme la béchamel et le fromage. Voilà. Vous y doulez et très beau pendant 10-15 minutes. Voilà. Donc, je commence avec. Je dresse les crevettes. Wahda zouj par barquette. Voilà. Wahda zouj. Il faut travailler méthodiquement. Haka. Vous voyez, 250 grammes. Direna beaucoup, plus de 10. Moi, j'ai mis 10 là. Mais on peut avoir plus, vous allez voir. Voilà, il me reste encore. Pratli, la crevette. Ça fait belle 15, 16, dil comme 16 barquettes. Alors, je vais la farcir bla béchamel. Je suis à Jamdam, Alish. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va ajouter le fromage du fouk, pour que ça tamer. Donc j'ai évité le gras fla béchamel, zit gratter la béchamel, parce qu'on a du gras fla pâte et on a du gras le gras le fromage. Donc quand on peut, mais non tego, نقصوم le gras, نقصو ما تسقسوش. La béchamel, vous pouvez la garder dans une boîte, dis-le au frigo, 2, 3 jours, 4 jours, pas plus. Vous pouvez faire, vous pouvez faire farcir, par exemple, silk, sinon de la viande, ou l'eljej, vous mettez en bas, dis-le la béchamel, les barquettes, vous pouvez dire une quantité kbira, dis-le au frigo. Et quand au besoin, et vous faites des petites parquettes à cas. Voilà. Donc, maintenant, je vais la mettre dans la fesni, le fromage, ou je vais la dorer dans le four. On débarrasse un peu. Voilà. Fromage, je l'ai râpé. Gruyère. Fromage rouge, il est un comme. Attention, ne mettez pas, il y a des fromages là, c'est des fromages, c'est comme de la margarine, c'est pas du lait. C'est des fromages à base de pâte végétale. C'est comme le fihom mkhdoumin bel. Avec le soja. Donc c'est des fromages, mais bon, moi je préfère le vrai fromage. Voilà, non. Alors, hadou, dakhlouhom le four, c'est le grill melfouk. Il est bourré melfouk, il est maro. On khaljoum, ça prend 10-15 minutes, même pas, 10 minutes. Voilà.
Donc, on va passer au pain. Bon, avant de passer au pain, je débarrasse un peu ça. Donc, photo la deuxième recette, Anna, le khobz bel balot, ou le pain au gland. Alors, pour le pain au gland, un diable récipient terri. Nous, je te bisaine. Ça, je la mets ici. On a besoin de farine. La farine tana, toujours. Là, on va faire 500 grammes de pâte. Dilef 0. Men sèche. 400 grammes de pâte. De farine. On va 400 grammes. Et 100 grammes. T'as le ballot belhi. Hada ballot chlito. Toujours. C'est chlite mblida. Kainin partout, ils sont renommés, la farine, il est très bon. Donc, nous dit 100 grammes, je crois qu'on a 500 grammes de farine, il est kilo, 200 grammes de le ballot. Donc, c'est des saveurs. Ou jayin naml mjdoud, je n'invente rien, mais le bakri dirou le khobz ta'al ballot, fil jbal, fil barra ala barra, ghir hna nsina, on a oublié le khobz hadak l'abyad. Donc j'aimerais bien n'aoudou n'raddou le terroir ta'na. Alors, 500 grammes de farine, mkhalta, ballot ou farina beida, la levure. Alors, 5 grammes, 6 grammes, 8 grammes, vous pouvez aller jusqu'à 10 grammes, qui m'a goûté comme à l'herseb la saison, à l'herseb le fournil le tercom. Ou à l'herseb la cuisine, mais chez le fournil and le boulanger, le cuisine à tercom. Là, je vais mettre 8 grammes, on dit 8 grammes, voilà, 8. Khalatom mlih. M'bad bach ndir l'ma. نعاود نذكركم توجور المواد الجافه الفرينه لا لوفور الخماره هادو كاع يتخلطوا في الاول نروحهم قبل ما نديروا الماء الوغ الماء نزيدوا معاه الملح في الملح نديروا الماء باش الملح يذوب بالماء سينو نبداو نديروا الماء اون بو نديروا لا بات تاعنا نجيو نعجنوها بالماء نخلو شويه كيما هنا جو في متر دوك ندير 310 غرام 310 غرام تاع ماء نديرها هنا نخلي هذيك 10 غرامات دو كوتي نعجنها ب 300 غرام مع لافان نزيد الملح ونزيد هذاك الماء اللي خليته باش اللي يذوب الملح في في لاباط الو فوالا هكا ندير اون فونتين هنا في الوسط نعاود نرد لو ريسيبيون تاعي الماء 310 غرام نعاود نرد الميزان زيرو ما ننساش توجور بوزي توجور 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 هادي ناكد عليها 310 غرام في الكيلو ديرو 620 غرام حتى 650 غرام فوالا الوغ هنا دروك نديرو الملح الملح سي دي سي توجور 20 غرام Normalement, c'est 20 grammes. Mais ça, donc, toujours, on a un accent de 18 grammes, fil kilo. Maintenant, puisque on dit 500 grammes, je vais mettre 9 grammes. On dit 8 grammes. Parce que le ballot fait un goût, il a un goût. Hein? Alors. 4, 6, 7 et 8 grammes. Voilà. Exact. On dit le récipient terri, je ramasse la pâte, je le déchèle, on dit le farina, il y a les côtés. Je dis une pâte, pâte moutée, djanissa, homogène, ou mettre le sarch. Des fois, quand il y a des farines, il y a des farines, il y a des ou des fois, il y a des même la farine. Tout bas, انتم ما تعرفوا لو دوزاج تاع الماء تاعكم ديسونسيال لا بات ما تلصق لكمش
وما تكونش تاني ترو دور ما تكونش لا بات يابسه بزاف ها يفو فير اتونسيون اللي تكون لا بات طريه طريه وما تلصقش هذه افيك لو طون بالوقت تولوا تعرفوا تجيكم سهله وزالي ميتريزي لو العجين تاعك دونك بيدي دروك نعاودها لكم طول طون توجور نيزيتي با الخبز باليد ويلق il faut toucher la pâte قلبوها لا بات وتحسوا بها تعرفوها كي راهي لا ديفيرونس بين هادو الخبز هذا الخبز التقليدي ها ولا باغيت بلونش هذيك اللي تشرو عند لا بولونجي هذا سي كو اون لو توش الاخرى كلشي بلا ماشين لو بيترين لا فاسونوز لا ديفيزوز اللي تقسم اللي دير له لا فورم تاعو دونك C'est pour ça que tout est faux. Pour moi, tout est faux. Voilà. Hein. Hein, la pâte terrine. Voilà. Le mhamli. Le récipient, on rattrapera avec un torchon, toujours, j'insiste, toujours le torchon. Voilà. Khaliha, elle se repose. Voilà. Alors, d'alors qu'on jib la pâte terrée, elle se repose. Voilà. Ahia. Tout d'abord, qui me goûte comme, qui me raoute comme, nous vous nous la pâte, parce que nous avons fait un peu de temps. Alors, on dit 840 grammes. 847, 840. Alors, 840, on dit nous deux baguettes et deux sandwichs, comme toujours. Mais tout moi, quand vous aurez le, on dit comme plus de pâte, kilo, parce que moi, qui dit nous des galettes, vous voulez faire que des baguettes. Tout moi, moi, je vais mettre 300 grammes pour les baguettes. Voilà. 255, 125. Voilà. 125 et 125. Il faut toujours peser, quel que soit X. Alors, pour le façonnage de l'eau, tu as le pain. On va le bouler, qui me voulait telcom, un peu de farine. Oui, il y a mon catroche. Voilà, je mets le on va le bouler, haka. On zaïro mlih. Alors, qui m'a goûté comme toujours, tirer et revenir à l'intérieur. Tchadro le bra, ou l'ou le dekhl. Chouf, hadou c'est des. Hadou kchour ta le. Hadou il est rahmatron complet le ballot. Il a tout le monde qui a fait un peu de temps, parce qu'il y a tout le monde qui a dit que l'amertume c'est bon pour le goût, le gland. Un peu de farine, voilà, je boule bien. Je coupe tout au fil, on va le faire. Voilà, haka. Alors, Hadi. Vous la laissez à 15 dakika te reposer. D'accord, 15 minutes de repos. Mbad, vous la façonnez. Je vais vous montrer moi comment façonner. Voilà, vous prenez hadi l'okhra, rihat 15 minutes. Alors un peu de farine, nhelha toujours bien ouvrir la pâte tacom, vous l'étalez. Rosnez un peu de farine. Voilà, vous l'étalez bien. Vous faites haka des plis, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre. Même bad, vous soudez bien le. Et on étire. Il ne faut pas trop tirer. Je fais un ami de ma khalita shriyat. Tout bas, il faut la laisser 15 minutes de repos. Je t'attends comme le tour. Voilà. نجيب السني نحطهم فيه
Alors, du papier. Dis-nous le papier. C'est bon. On va dire, il était déjà préparé. Là. Voilà. On y d'un autre, de l'autre côté. Ah, il est assez bon. Non, il est trop grand, Heda. Voilà. Alors, le pain terri. La soudure, qui me goûte comme toujours, me le tête. Je continue. J'abaisse la pâte terri. Nhotha. Hadi tani, had l'étape min t'houbdu haka, rakum t'aoudu t'atouha la force. Min n'gleb tani haka, rani n'atouha la force. Hadou gars, c'est des gestes, mais chiri haka la m'diourin. Hadou, c'est des gestes qui sont utiles. Li goudemna, l'expérience, der alfohum, où là on est en train de faire la même chose. Voilà. Il faut bien tirer b'chouia. Mettez-vous, il faut toujours laisser. Les boules, ils reposent 15 minutes. D'accord, 15 à 20 minutes. Il y a comme tort. Vous pouvez l'étaler rapidement et facilement. Voilà. Toujours, dis-le, des petits pains, sandwich et des gros pains. Hadou, c'est pour les enfants. Yeklou, des rations haka. C'est mieux que il prend la baguette, oui. Toujours, d'akhlo haka. Vous faites des plis ou d'akhlo, ou à la fin, vous soudez. C'est une méthode. À tête comme l'autre méthode, vous pliez un et deux, et les deux sur eux-mêmes. Les zouch à la badhom, et vous soudez. Là, vous roulez. Dobro ou te pliez. Et à la fin, vous allongez. Djarro le khobs ta'kom. Mais ma djarrouche bzef, parce que je vais vous dire que je suis là. Voilà. Alors, darwak, inshallahoum. Wahda, je vais la fariner. Alors, on dirait là, la farine. Là, la farine, elle dit, mais il faut que c'est pour l'aspect. Parce que t'as dit, vous allez voir la différence, m'bat. Je remets à la farine. Alors, le pain, toujours, il faut lui donner des coups de lame. Et donc, les coups de lame, non seulement, ils ont l'aspect de chbeb, ils ont l'aspect chbeb, le chobs, mais tani, ils servent à dégager. Mais ils ont l'aspect de chobs, ils ont il dégage maintenant, donc c'est comme des cheminées. Alors, ben, comme quand vous mettez des fois un chartouche de khobz, il y a des choses qui sont là. La farine, il faut que c'est pour l'aspect. Parce que c'est là, vous allez voir la différence. Je remets à la farine. Alors. Le pain, toujours, il faut lui donner des coups de lame. Et donc, les coups de lame, non seulement, ils ont l'aspect de chbeb, ils ont l'aspect de chbeb, le chobs, mais tani, ils servent à dégager. Mais ils ont l'aspect de chobs, ils dégagent maintenant, donc c'est comme des cheminées. Alors, ben, comme quand vous mettez des fois un chartouche de chobs, il y a des choses qui sont là. Vous mettez dégager le chobs. Donc, il faut toujours les coups de lame. Alors, moi, je vais faire des coups comme ça. Simple, haka. La farine, elle dit, il faut que c'est pour l'aspect. Parce que t'as nadra, vous allez voir la différence, m'bat. Je remets la farine.
Alors, le pain, toujours, il faut lui donner des coups de lame. Et donc, les coups de lame, non seulement, ils ont l'aspect tachoum chbeb, il y a tout l'aspect chbeb, le khobs, mais tani, ils servent et donc, tani, à dégager. Bien qu'on était le khobs, ils dégagent maintenant, donc c'est comme des cheminées. Alors, comme quand vous mettez des fois un chartouche le khobs, il y a un chalna maintenant. Vous mettez dégagé le khobs. Donc, il faut toujours donc, les coups de lame. Alors, moi, je vais faire des coups comme ça. Simple, haka. Hadi mendil hash. Et ben, tu fais la différence, mbat flaspe. Et ben, tu fais le farc bin wahda drnel hal farina ou hadou ma drnel homsh. Alors, la lame, toujours, il faut la cacher bin tkemlo. Mettre le hash, elle traîne la cuisine. Il se peut trop comme le mec là, ou la tech comme la farine, bat très boubiha. Ça peut vous. Ou les enfants, surtout les enfants. Alors, moi, je la cache toujours là. Voilà, les pâtes avec la farine, sans farine, parce que tu fais l'aspect de la farine, tu as le khobz mini-tip.